Zami famille à Noël Akayo, comment nous y est? Nous espérons que tout le monde en forme. Je vous dis, il y a plusieurs organisations donc, qui mettent tête ensemble, qu'on a l'idée pour demander peuple pour prendre la rue, pour déchouquer trois braquets banques en BNCO qui prend un conseil présidentiel là. Et en otage. Donc, ça qui vient créer un blocage dans le processus et transition. Et bien, monsieur Damio, donc, a demandé pour que Leslie Voltaire, qui est président, conseille pour lui prendre responsabilité les gens que lui était dit sur Gazette Haïti News, depuis que le rapport ILCC est sorti, il a joint monsieur yo, coupable. Et bien, reste blanc pour aller forcer trois membres qui impliqués ou bien qui inculpés dans le rapport ILCC pour démissionner. Eh bien, nous remarquons que ce n'est pas ça qu'a fait ni M. Damio, donc pas manifesté volonté pour mettre M. Yo de yo. Donc, eh bien, peuple, là, les prend destin li en main, côté qui pourrait le marcher pour forcer Nexayo démissionner ou à déchouquer yo dans le conseil. Là. Eh bien, M. Dam, organisation, et doit moun yo, donc il fait gros déclaration dans le micro à Noël Akay que nous pourrions faire et tendre des amis nous. Donc, un dossier, toi, monsieur. Qui inculpé par ULCC en rapport ça li déjà transféré dans cabinet d'instruction et bien gagné juge Benjamin Fizeme qui déjà invité conseiller lui Gérard Gilles 19 novembre cap venir là pour venir répondre question et bien gagné cabinet donc un président qui écrit avec juge là pour dire que donc lui Gérard Gilles li pas présenté 19 novembre cap venir là parce que juge là il pas gain compétence pour lui tendre lui Gérard Gilles. Donc c'est même cas bon côté Emmanuel Vettiler donc selon avocat li Gerdy Blaise qui est parlé selon article 24-1 qui dit selon statut client liant qui gain un statut présidentiel et bien Emmanuel Vettiler pas ka répondre invitation que juge Benjamin Fizeme donc li fait lire. Donc juge selon avocat juge là il pas gain le choix donc il obligé faire un refus de informer c'est ça que Gerdy Blaise il dit parce que c'est pas lui-même c'est constitution qui mettait que juge là lui-même n'est pas qu'attendre et monsieur yo à cause du statut présidentiel yo donc monsieur yo seulement qu'a présenté devant haute cour justice et ou bien devant et parlement donc actuellement pas gain parlement. Donc monsieur Sayo là actuellement et pas gagné et yon juge qui ka tande yo selon et Gerdy Blaise. Pendant l'autre côté, donc nous gagné encore 21 décembre qui c'est yon partie prenante qui te gagné rencontre avec Premier ministre Gary Conny hier 29 octobre 2024 là donc selon ça qui sorti. Donc monsieur Damio dit que rencontre ça il était franc et puis direct il a parlé avec Gary Conny sur conjoncture paysan sur ça qui passé insécurité et puis donc sur avenir trois conseillers présidentiels yo qui non et conseillant qui inculpé donc par rapport ULSC. Donc il y a maître André Michel qui est un monde qui très influent encore 21 décembre non? Donc monsieur dit article 2 dans décret 12 en mars là donc qui était porté à création et conseil présidentiel en clair donc si un monde fait face à des poursuites judiciaires donc il est supposé quitter et conseil là donc André Michel donc a demandé et faut que monsieur yo démissionne faut qu'il écarte yo non et conseil et présidentiel là donc selon article et 2 et amis famille yo donc membre conseil là actuellement là donc trois conseillers yo pas voulait démissionner et bien ouais que conseil là et li donc vle donc reprend toute prérogative que yo gen en tant que président eh bien yo été relé Gary Conny donc pour que Gary Conny fait un remaniement ministériel et si que Gary Conny lui-même pas fait remaniement ministériel ça donc Gary Conny lui-même li ka perdi donc job li en tant que premier ministre eh bien Gary Conny qui pas ta fin d'accord donc Gary Conny li entre dans une démarche pour rencontrer toute la partie prenante donc surtout nous ouais il commencer rencontrer avec toute partie politique qui gagnait conseiller en dans conseil présidentiel ça mais qui n'en rapport ULCC donc en trois braquets banque donc nous ouais que
li déjà chita avec accord 21 décembre. Pas oublier que accord 21 décembre t'es déjà gagné deux noms sous table pour remplacer Louis Gérard Gilles qui a été voyé by CARICOM pour remplacer donc Antoine ça et qui était allé casser et banque et BNC. Donc nous ouais quantité millions que li déjà dépensé donc en sous un cadre de crédit. Donc en ami famille nous ouais la caillou et bien gagné Raoul Pierre Louis qui pas dans pays en bien juge là et li vle tandel tout dans cadre et dossier ça. Donc Gary Conny li vle basculer donc bagay là donc li a rencontré avec parti prenant yo pour si que parti yo ta aidel donc chaviré donc en donné donc en faveur li parce que monsieur o menacé si que il pas faire remaniement et ministériel là et conseiller présidentiel yo di Gary Conny donc c'est pas parti prenant yo donc c'est pas parti politique yo qui t'ai voté vinn faire le premier ministre c'est yo même qui t'ai metté tête ensemble yo t'ai voté et metté le premier ministre yo même tout yo ka et révoquer. Mais il faut que nous disions, donc selon ça que vous dites ça non, de partager ensemble avec nous, que il y a une résolution que monsieur président et que conseiller a déjà signé pour que vous voyez donc à Gary et Conny aller si que il pas accepté donc avec question de remaniement ministériel. Donc nous voyons que conflit ça qui gagne entre conseil présidentiel là avec primature là. Donc il vient créer un gros blocage là. Donc pour que transition elle-même aller et Jean que li supposé aller et pour question de sécurité on a vinn vraiment négliger ça donc nous voit que bandi yo même fait plus action toujours donc hier nous une vidéo qui t'a pas circulé donc en bon côté et monsieur et village des dieux yo ISO qui gagne cartel li et IDV qui débarqué dans cabaret et bien écrasé commissariat donc commissariat ça que la police a été annoncé que yo prend contrôle ligne de vidéo que monsieur yo fait et bien la police en pas fait consolidation li pas kembe pas mettre une unité donc en place dans commissariat ça pour empêcher bandi yo retourner et bien bandi yo retourner unité et village des dieux yo bien équipé ou regarder ou ka penser ces policiers et qui était là et bien nèg yo vini yo craser commissariat cabaret donc ça vient augmenter dans liste commissariat qui déjà crasé sous transition qui là conseil présidentiel avec gouvernement Gary Conny donc n'a rappelé nous que gagné 400 marozo qui t'est écrasé commissariat dans Gantier et ça qui fait dans Grissier et bien donc c'est cabaret et bien c'est moun akaye tout donc qui vient rentrer dans liste territoire perdu là et monsieur Sayo là était prend pouvoir surtout et nous rappeler nous et président Edgar Leblanc t'a dit que donc avec un conseil présidentiel là pas doué gagné et territoire perdu donc on laisse ça il t'a pas taclé un ministre qui était sous Ariel Henry et qui s'est ministre justice là et qui t'a dit que paysan donc en charge territoire perdu là-dedans donc pour que il t'ait voyé donc madame ça aller qui va régler en rien sérieux dans dans discours là j'ai dit que paysan donc pas doit gagner territoire perdu mais depuis là que monsieur prend et tête en pays ça c'est pas en rien sérieux que il a fait donc sécurité à Levin pi mal gang yo vinn pi fort et il y a pile monde qui est plus déplacé donc amis famille nous donc selon un rapport Nations Unies bio Nations Unies en Haïti lui même publié donc t'a montré gagné donc en semestre de juillet pour arriver donc en mois de septembre donc il y a un pile et monde qui arrivé donc est mouri donc il y a 1223 monde qui mouri de 522 et blessés et puis donc il y a des milliers de monde qui est déplacé quitter la caillou donc il y a 700 000 monde qui déplacé donc a quitté la caillou donc la situation li vin plus compliquée que Jean et que l'ité et avant donc nous va faire autant de déclarations que monsieur dame dans organisation ça yo et qui mettait tête ensemble qui mandé peuple donc pour que yo aller déchouquer trois braquets ça qui dans tête conseil présidentiel là donc qui vient fait que conseil ça a perdu crédibilité li donc nous voyons que yo mandé avec Lessie Voltaire mais faut que nous dire que Lessie Voltaire qui vient président donc Lessie Voltaire lui est bénéficié donc de avantage monsieur Sayo donc qui pas qu'à venir président mais et qui pas qu'à venir président que a demandé pour écarter
et en dans conseil là mais il était joindre vote à toi monsieur Sayo pour que il vienne président et conseil là. Donc est-ce que Leslie Voltaire Kounia li est prêt capable mettre monsieur Odeo parce que c'est deal que monsieur Odeo fait qui fait que lui-même il vienne président parce que Leslie Voltaire pas dans question ça avant du tout, même gens avec Fris Alphonse Jean, même gens avec Laurent Saint-Cyr qui représentant et représenté secteur privé. Donc c'est un deal que monsieur fait qui fait au météo là. Donc les six Voltaire dit avant, donc si que ILCC joue un rapport que monsieur Sayo ou même inculpé, il y a météo dehors. Mais nous voyons que monsieur pas qu'à jouer présidence dans d'un conseil là et mais yo et quitté yo en dedans donc pour que yo joigne vote monsieur yo, parce que jusqu'à présent pour une résolution en dedans et conseil ça et qui passait comme ça dire qui gérer majorité en majorité a toujours été 5 sur 2 faut que yo gagne et yon vote en 5 ans sur 2 et majorité 5 sur 2 pour que gagne une décision et qui prend en dedans et conseil ça mais pour monsieur yo joindre avantage là donc nous voyons que yo kembe 3 conseillers donc qui inculpé donc par rapport ULCC que cabinet d'instruction mandé pour garder monsieur yo et bien avocat yo dit que monsieur pas présenté parce que yo gagne immunité présidentielle pendant que les rapports ta fait nèg yo te descend y a le chita devant enquêté ULCC yo donc ta kou trois ti innocents et qui te descend de yo bien bas et puis yo te fait que rapport ça lui même li sorti mais kounya yo mette de yo question de statut présidentiel yo que juge et qui la pap ka tande yo donc en attendant donc qui ça que monsieur organisation dit mais avant gagne maître Lucien Jean-Joseph qui fait une gros déclaration surtout donc à son mouvement gang yo donc à son main caché donc à qui et derrière mouvement gang yo donc entendez maître Lucien Jean-Joseph donc après n'a tande organisation droit mon yo pour permettre communauté internationale là ouais ça bloc occidental là a fait en Haïti même gens que ont fait en Somalie même gens que ont fait au Congo même gens que y a essayé faire au Sahel mais non aujourd'hui nous tout ta constater gens que nous autres nous t'ai dit déjà dans conférence précédente nous t'ai dit que ni Nomil Ramo ni force multinationale là pas rien que Calvin résoudre en Haïti. D'ailleurs, nous te dit pour venir aider Haïti, pour que ça tout matériel de forage ça yo que nèg en travel. Nèg yo avec plus matériel de forage que matériel pour te combattre insécurité. Et deuxièmement, qui est-ce qui va nous chariot? C'est le Canada et les États-Unis. Qui est-ce qui a formé gang yo? C'est le Canada et les États-Unis. Et d'après une source que nous ka fait confiance, gè des hommes armés que qui entraîné dans l'ambassade américaine, qui a pris formation dans l'ambassade américaine pour continuer à s'y mettre trouble dans le pays. Et nous avons constaté, nous avons vu que Barbecue et Chita, ensemble avec l'ambassadeur américain, et c'est pas un secret pour personne, il dit que le tenant machine, la Chita avec l'ambassadeur. Et l'ambassadeur lui-même, il pas nié ça, il dit que il est en contact direct avec des hommes armés. Nous autres, nous pas prêts à des gangs, mais c'est des terroristes. Parce que, automatiquement, gang là, c'est un groupe de monde qui a une philosophie propre à eux-mêmes, qui a une propre conviction, qui a une lutte qu'ils ont menée pour eux-mêmes, qui a une bataille bien déterminée. Mais terroristes en lui-même, c'est chaosissime partout côté le passé. Et même gens que dans pile monde qui a dit que attribuer sénateur Guy Philippe avec gang, mais aujourd'hui, il n'y a pas un secret pour personne. Tout le monde sait qui est-ce qui a financé gang dans le pays. Tout le monde sait qui est-ce qui a alimenté gang dans le pays. Même j'ai offert avec le peuple du Sahel. Même j'ai offert au Congo. Même j'ai offert en Somalie. Avec la France, le Canada et les États-Unis. Il n'y a pas un secret pour personne. C'est ça qui fait que nous sommes en Haïti. Nous toujours pour bataille que la Russie a menée pour un monde multipolaire. Et c'est à travers le monde multipolaire que Haïti a sorti en bas joute bloc occidental. Comment nous comprenons, monsieur? Je dis, Solino tombé. Nous avons des mini-justice nous à la personne de Carlos Hercule qui dit Solino beaucoup tombé. Et lui-même dit, bataille qu'a fait Solino, c'est pas une spontanéité, mais c'est un bagage planifié. Si li pas spontané, c'est un bagage planifié. On croit que ministre justice nous ont été anticipé. Comment l'a anticipé? Parce que
Nous connaissons que à travers Primature, il y a 40 millions de gouttes qui sont disponibles chaque mois pour service d'intelligence. À travers le ministère de l'Intérieur, il y a 15 millions de gouttes qui sont disponibles chaque mois pour service d'intelligence. À travers le ministère de la Justice, côté que M. Carlos Hercule a dirigé, il y a 15 millions de gouttes pour service d'intelligence chaque mois. Si que ou dit bataille qu'a fait Solino, c'est mon bataille spontanée. Donc c'est un bagage planifié. Si son bagage planifié, c'est un bagage voulu. Si son bagage planifié et voulu, nous qu'a anticipé. Côté 15 millions de gouttes qui allouent pour service intelligence dans le ministère de la Justice, qui sont fait avec ministre Carlos Hercule. Côté 15 millions de gouttes qui allouent dans le ministère de l'Intérieur pour service intelligence et sécurité, qui sont fait avec le ministre Intérieur. 40 millions de gouttes qui sont disponibles au niveau Primature pour service d'intelligence et sécurité intérieure, qui ça nous fait avec. Donc je dis, il n'y a pas un secret pour personne. Tout le monde connaît que Gary Conny n'a pas rien de sérieux qui a été réglé en Haïti. Tout le monde connaît que le conseil présidentiel n'a pas rien de sérieux qui a été réglé pour Haïti. Mais malheureusement, nous avons un peuple qui vient lâche, nous avons un peuple qui est extrêmement somnolent, qui parle jusqu'à présent, côté que vous avez la veille à la. Comment nous comprenons le matin là? Bandit, homme armé, envahi à Kayen. Nous avons crasé le commissariat. Et tout ça, bandit, dit, la fait, il fait le. Donc si bandit, tout ça, dit, la fait, il planifie. Côté dirigeant nous, dirigeant nous qui ont des milliers de policiers dans la tête, dirigeant nous qui ont des milliers de policiers qui ont pas en sécurité côté yo. Or, cependant, nous avons anticipé ça qui va cailler. Même si nous avons anticipé ça qui va Solino. Et côté nous, Solino tombé. Même bandit ou pas qu'à quoi sous parole. Même sous dans des barbecues, quand il dit, bande yo pas prêt aucune autre zone, Haïtien préparé nous. C'est un bagage qui planifié, Occident planifié déjà. Et m'ba nous garantir toute ba la ville là pral tomber dans zone territoire perdu. Et malheureusement, nous pas gagne des dirigeants qui ka anticipé. Nous gagne des dirigeants seulement qui la pour anticiper pour poche yo, ka faire politique du bas ventre. C'est ça qui fait que n'a fait un appel à communauté internationale là. Nous pas dit bloc occidental là, communauté internationale là pour voir jeu sur ça qui a passé en Haïti. Malgré différentes documents, nous préparons, nous voyons à travers l'ONU, nous voyons à travers le commissariat pour les réfugiés, à travers la Commission interaméricaine des droits de l'homme, puisque ce n'est pas le gouvernement qui écrit, ils ont fait la soude d'oreille. Mais nous autres, nous disons, tout ça qui a passé en Haïti, tout massacre qui a passé en Haïti, il y a trois personnes qui sont responsables. Premièrement, c'est les Haïtiens. Deuxièmement, c'est le gouvernement. Troisièmement, c'est l'Europe occidentale. C'est ça qui fait que, nous disons, peuple haïtien, une fois de plus, réveillez-nous et nous demandons, ministre justice, une fois de plus, vous pouvez incapacité, vous pouvez incompétence, vous pouvez lâcheté, vous pouvez traîtrise, nous demandons de vous démissionner. Nous demandons, non, Mirabeau, je dis encore, vous pouvez incapacité, vous pouvez incompétence, vous pouvez très trisou, n'a demandé pour démissionner. N'a demandé au premier ministre Gary Conny, s'il vous plaît. Vous pouvez incapacité ou. Vous pouvez incompétence ou. Vous pouvez très trisou, n'a demandé au démissionner. Et n'a pas dit encore. Même si nous t'es sorti 17 octobre, nous la police était extrêmement efficace. Pour que ça même police ça n'est pas efficace face à massacre qu'a fait Solino. Face à massacre qu'a fait Akaya, non moment n'a pas avec nous là. Moun Akaya aux abois, non moment m'a parlé avec nous là. Moun Lester a couru monter couru descendre. L'école va fonctionner dans Lester. L'école va fonctionner dans Akaya. Je dis là, n'a pas de peuple haïtien. Une fois de plus, tenez la raison. Toujours dis nous, c'est à travers une révolution pour nous changer ça ou tout courant. Si nous pas croire dans la révolution, si nous pas lever pour nous bataille, n'a mourir tous comme des lâches. Récemment, il y a un ministre justice là, Carlos Hercule qui dit il y a une menace et assassinat qui est pendu et sous tête Gary Conny. Pourtant, il trouvait qu'il s'agissait efficace pour dire ça. Pendant ce temps, il y a plusieurs coins dans le capital pour malfaire. C'est absurde. Qui est-ce qui est responsable de CSPN? C'est Gary Conny.
qui est-ce qui deuxième responsable sur SPN? C'est Carlos Hercule. C'est-à-dire que yo, non seulement il y a un appareil judiciaire là, il y a un appareil répressif là, mais autour. Je dis, combien de nègres qui derrière Gary Conny? Plus que 150 hommes armés. Combien de nègres qui derrière Carlos Hercule? Plus que 30 hommes armés. Si yon même qui a plus que 150 hommes armés et 30 hommes armés entre eux deux, il faut 180 gens qui sont à Zam nan me yo. Yo dit que yo gen menace de mort. Et nous autres, qui pas gagné nan me nous, qui la gen de bruit avant dans la rien, qui sa ou dit nous moun fè? Et m'de toujours dit. Ou kase si tande, yo planifié, yo fait tuer sous primature, pour yo dit que c'est CPT. Hein? C'est Pétion qui a planifié tout. Il fait tirer sous village d'Aken. Il dit c'est primature là. Oui. Je dis c'est une lutte de pouvoir. Oui. C'est pas une lutte pour retirer Haïti dans sa que lié là. Non. Je dis c'est autre trois de là que je m'y mettre. C'est bataille ça qui vient là, je dis là. On nous dit plutôt. Comment ministre et Carlos Hercule fait qu'on ait des menaces et sous Gary Conny? Ça veut dire que le service d'intelligence qui fiable. Si le service d'intelligence est fiable, pour qu'ils n'ont pas anticipé la bataille à l'extérieur, pour qu'ils n'ont pas anticipé la bataille qu'a fait à Kayea, pour qu'ils n'ont pas anticipé la bataille qu'a fait Solinoa, pour qu'ils n'ont pas anticipé la bataille qu'a fait Kafoufela, je dis, nous, que le peuple, nous avons un labyrinthe, mais malheureusement, le ministre Carlos Hercule a plongé le peuple en plus dans la confusion. Et, n'a dit, si tu as une menace sous tes Gary Conny, je dis là, Jean-Gary Conny a marché dans la rue. Jean-Gary Conny a couru monter à droite, à gauche. Est-ce que j'aime donner au tiré sous Gary Conny? Donc c'est même Mounsayo qui te planifié pour te assassiner Jovenel. Songez bien, l'homme de commencer par lui a moins dit que Guinée a formé dans l'ambassade américaine. Et qui est-ce qui a livré nous chassayo? C'est les États-Unis. Qui est-ce qui a livré nous matériel ça encore? C'est le Canada. Qui est-ce qui a formé gang encore? C'est le Canada, la France et les États-Unis. Est-ce que nous pensons que matériel ça yo bandi yo pas gagne et gagne? Est-ce que nous pensons que nèg yo pas gagne prend formation pour connait qui Jean pour goum avec la police en dans chaio? Depuis qu'il est que un homme armé te connait que mais qui Jean pour prend un chat? Nous pas wè nèg yo gagne moun k'ap entraîner, pas oublier que moi dit nèg yo gagne des instructeurs américains, gagne des instructeurs français, gagne des instructeurs canadiens qui a formé nèg yo. N'ayons pas pour contre. Et ça m'a dit nous, c'est de ressources fiables que moi joigne. Je dis un matériel qui entre yo. M'a prédit nous même bagarre encore. C'est pour faire une petite intervention partielle pour que les peuples haïtiens pour montrer que y a travers Jean Noël fait au Congo, Jean Noël fait en Somalie, Jean Noël fait avec peuple Sahel. C'est ça que y a essayé faire avec nous là. Mais matériel qui entre yo, c'est pas pour organiser sécurité PAM, c'est pas pour organiser sécurité PAM, mais c'est pour planifier. Tout ça que nous avons pris pour nous voler, comme ressources nous gagnons dans le sous-sol, c'est pour ça que le matériel est rentré. C'est pour sécuriser la zone davantage. On nous comprend, monsieur. Pour qui ça, jusqu'à présent, ils ont occupé bon la mer. Nous ne pouvons pas poser une question. Dans tout pays dans le monde, monsieur, nous ne pouvons pas malheur de bon la mer. Pour qui ça, je dis, la marine haïtienne. Pas effectif la marine haïtienne ba même ka gen yon yacht pour bataille contre ISO pendant ça ISO gen 8 yachts pour la bataille contre la police. Comment faire la police haïtienne ba ka gen drone d'attaque et de reconnaissance? Mais par contre ISO avec toute équipe lien gen des drones de reconnaissance. Qui est-ce qui forme yo? Ou pensez que yon nèg tan pou ISO qui pa jam voyager qui gen au niveau élémentaire? T'as gagné tout moyen logistique ça pour la piloter un drone. Et ce c'est un drone amateur, non? Qui n'a même ISO. Donc, il y a quelque part des gens qui ont formé. Je dis, si nous prêtons des dossiers seulement en amont, nous allons aller en aval. Moi, je nous garantir, c'est laver messieurs à terre. Matériel qui a rentré, ce n'est pas matériel pour venir gourmer contre l'insécurité. Au contraire, matériel ça, c'est pour venir renforcer hommes armés davantage. Parce que les États-Unis ont un plan pour Haïti. Le Canada a un plan pour Haïti. La France a un plan pour Haïti. Et ça fait que Nabdi, quel que soit Trump élu, quel que soit Kamala Harris élu, ils viennent défendre l'intérêt des États-Unis. Amérique n'a pas des amis, Amérique a des intérêts. Je dis, il faut que les Haïtiens comprennent que je vais marcher derrière Kamala ou bien je vais marcher derrière Trump.
Mais je dis, c'est affaire américaine qui vient régler. Nous besoin seulement des haïtiens compétents. Nous besoin des patriotes. Nous besoin des monde qui dit que aide de l'Occident. Nous besoin des monde qui comprennent que aujourd'hui insécurité est arrivée. Regardez ce qui a passé cabaret là encore. Regardez ce qui a passé l'Esther là. Regardez monde qui a mouru l'Esther. Regardez monde qui a mouru sous smart la cabaret. Jusqu'à présent qui tire dans Solino. Est-ce que nous avons un gouvernement qui a réagi? Oh! Pas oublier que le premier ministre a dit que nous allons reprendre zone, quartier par quartier, caille par caille, zone par zone. Eh bien, nous, c'est caille par caille, n'est-ce pas mettre du feu. Zone par zone, n'est-ce pas mettre du feu. Quartier par quartier, n'est-ce pas mettre du feu. Eh bien, c'est nous qui ne comprenons pas le langage gariconien. Il a dit, quartier par quartier, n'a pas besoin de ça pour l'Américain. Zone par zone, n'a pas besoin de ça pour le Canada. Et caille par caille, n'a pas besoin de ça pour la France. Mais peuple haïtien pas de jamais comprendre ça. Et n'a pas gardé nos paroles. Homme armé qui saoudi, n'a pas mis pays en jambes blanc en mode là. Mais malheureusement, jusqu'à présent, peuple haïtien beaucoup, ouais. Peuple haïtien, yeux beaucoup cacalé pour un qui saque ou mettez nous là. Mais nous autres, nous parlons trop. Nous autres, nous battons trop. Mais ça va décourager nous. Nous connaissons, même jeune défait 1804, qui te prend temps, même genre, n'a pas gagné courage pour nous faire 2024. Maintenant, si c'est vrai ou pas, un expert dans les affaires de sécurité, mais est-ce que vous trouvez logique et à chaque intervention pour policiers, pour connaître le même style, ensemble avec bandits, pour y filmer et ça ou pas? Exemple, hier, il était dans le commissariat et la prison civile cabaret, il y a une petite vidéo, il a dit un bandit a délogé et puis crasé. Écoute, monsieur, je dis nous avons la police. Avec un fait show off. Nous avons la police permettre mes expressions tout le monde dit dans la rue. Langage vernaculaire, la fait foulaille. Comment nous comprenons que une intervention été faite du côté de Kafoupeng, nous avons cherché une âme à travers les réseaux sociaux pour dire que la police récupère une âme. Côté âme là. Je dis là, la police vient fonctionner même avec hommes armés. Ou pas qu'à connaître je dis qui est-ce qui est policier, qui est-ce qui est bandit. Parce que des policiers tout en civil, tout gros âme dans mais yo dans un chat. Là maintenant, ça question ça yo, c'est pour nous poser mini justice nous. Question ça yo, nous supposons poser nous Amil Ramol. Question ça yo, nous supposons poser responsable CSPN non. Comment nous ka comprendre que jodi yo, policier yo rive non sous commissariat cabaret, y a fait photo et ça qui plus grave là. Le garde de Chanel qui a fumé, il y a pas que ça. Où est une bouteille bien, ouais, c'est celle qui t'a bien bien. Ou est-ce que ta prédia, c'est nèg qui vient prendre plaisir. C'est pas nèg qui vient régler rien pour population. Et nous regarder 20 minutes après, bandi yo retourné dans place encore. Et yo promet que y a crasé commissariat plat. Je dis, est-ce que nous pensons que non Mil Rameau capable? Est-ce que nous pensons que mini justice nous aujourd'hui capable? Est-ce que nous pensons que commissaire gouvernement nous capable? Mais non, nous t'ai toujours dit pour nous faire pays, des trois vices nous doit bannir. Premièrement, c'est l'incompétence. Deuxièmement, c'est lâcheté. Troisièmement, c'est traîtrise. Des bouts incompétents, ou avez lâche. Parce que le fait que vous êtes incompétent, ou qu'on est pas de place ou là, même avec Carlos Circule qui sont incompétents, je dis qu'à faire trafic d'influence, tout le monde que l'État défend en tant qu'avocat, les libérer tout, le monde qui t'a aidé que c'est dans la corruption, tant pour madame Canton et autres, les libérer. Mais quand il s'agit de planifier sécurité paysan, ben tout le monde fait la soupe d'oreille. Je dis, c'est pour incompétence qui fait remettre Carlos Circule. Et de pour incompétent, ou avez lâche. Et de pour lâche, ou avez traite. Et de pour traite, ou avez vendre paysan avec bloc occidental. Merci, chef. C'est pas pour ça. C'était Maître Louis-Cher Jean-Joseph, qui est avocat, ancien sénateur Guy Philippe Ato, donc qui a pas défendu le mouvement et ancien sénateur là. Eh bien, il était parlé comme ça, dans le micro à Noé Lacaille, qui longe doit être sous Occident, donc c'est Occident, donc qui
et mettez pays à dans ça et surtout nèg yo di et yo voye une force multinationale, yo voye équipement, donc monsieur dit c'est équipement qui vini, donc qui c'est équipement de forage, donc qui vient fouiller trou, donc pour prendre donc toute mine, toute richesse que pays a gagné, mais c'est pas équipement qui pour là pour question de sécurité qui ca protéger donc en force de l'audio. Eh bien entendez qui ça que monsieur Damio dit dans organisation yo, organisation droit moun yo, donc qui parlait donc les trois braqués BNCO et tout qui mandé pour peuple là donc sorti pour que yo déchouquer monsieur Sayo. Eh ben tout monde là nous même journalistes yo, nous même citoyens société civile là nous met chercher n'importe côté illicite pour nous faire l'argent et puis nous connait n'a juste payer monsieur Sayo pour nous venir sénateur, pour nous venir député, pour nous venir président, pour nous venir kazek, pour nous venir azek. En tant que parlé de la justice, est-ce qu'on entend des déclarations avocat de Dr. Louis Girard qui dit juge Benjamin Félix-Mé pas compétent pour entendre un président? Et cette histoire, on a toujours joué ça. Affaire avocat, c'est le rôle de l'avocat. C'est le rôle de l'avocat de défendre son client. C'est son rôle. C'est son rôle. L'avocat a pour rôle de défendre son client. Nous avons un problème à l'avocat qui a exercé le métier. Nous avons un problème à ça. Mais, et, monsieur conseiller, ça, si vous. Si yo gen famille, si yo respecte famille yo, yo pa ta dwe kite, yo pa dwe même kite sa arrive jusque là. Parce que tout moun sonje que c'est la kay président Jules même complot sa tal fait. Que même premier ministre te manqué assassiné jou sa. Tout moun te konnen, tout moun te konnen sa très bien. Monsieur yo gen rendez-vous avec l'histoire et nous même nous pa camper là, nous pral faire des sitting, nous pral exiger monsieur yo pour remettre démission pour le président Lessie Voltaire. Prend engagement li parce que li te bay moli devant gazette Haïti. Si toi vous faites partie groupe moun k'ap défendre droit de la personne et comment comprendre CPT à nous de compte ça là et alors l'aime CPT en parle de KIPA et KPTA ou KIPA et pour moi KIPA m'pa et mécanisme m'poukou wè parce que exclusion au fait de représentant droit moun là exclusion parce que yo dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Si 86 organisations qui durement enregistré qui patenté t'es participé dans une élection 81 voté pour yon représentant yo supposé représentant ça t'es supposé premier monde que yo t'es sorti dans arrêté yo t'es sorti pour former conseil électoral provisoire là. Ou pas penser si toi monsieur ça au démissionner et c'est qui a tout casé? Non, démission toi monsieur, pas craser c'est KPTA parce que KPTA c'est des toi monsieur ça c'est des structures qui te voyer et toute structure ça là n'a parlé de 21 décembre en consultation pour voyer un autre représentant. Yo déjà gain mon en liste pour dégager au jeune consensus entre eux pour voir n'a parlé de aider Geta Mandé Smith Augustin, depuis là, on a indexé le demain de Smith Augustin pour le fond tirer col pour mettre le disponible pour la justice. Et Emmanuel Vettiler, tout le monde connaît qui secteur qui voit et nous connaît bagay mafieux que représente le secteur ça, toujours géré et ça va déranger nous. Mais c'est histoire peuple, c'est peuple là qui pas qu'à vaquer à activité, c'est peuple là qui a mouru chaque jour, c'est peuple là qui vient pour lui monter devant Villa d'accueil, c'est peuple là qui vient pour lui bloquer tout grand axe. Tout grand axe, comme c'est Delma à Pétionville, où fonctionner au même peuple a monté pour aller prendre plaisir en dans Villa d'Akela, même j'avais si président Lessie Voltaire, si gouvernement pas prend décision pour pas chita dans le conseil des ministres avec toi et tu le pèse à et peuple dans jour là tout de suite là nous gain sitting nous pral faire nous gain l'autre mouvement nous pral passer si on pas veut attendre nous amicalement nous pral passer l'autre façon pour nous faire respecter droit nous en tant que peuple. Devant Mikou la presse, pour nous dénoncer et condamner à toute force nous, un phénomène qui a ravagé le monde, particulièrement le pays nous Haïti. Une pratique qui mettait nous à genoux, qui lague nous dans tout problème qui nous a confronté là. Qui cause rien pas qu'à fonctionner dans le pays. Vieux pratique ça la cause, si nous pas qu'à l'école. Nous n'avons pas qu'à joindre la santé parce qu'il n'y a pas de bon genre matériel la soigne dans l'hôpital. C'est vieille pratique ça qui cause que nous vivons une insécurité sans pareil ça.
pour nous citer ça seulement. C'est ça qui fait, nous-mêmes, dans le secteur des droits humains, nous décidons de prendre responsabilité nous, pour nous lutter contre la mauvaise gouvernance, et particulièrement contre corruption et malversation dans le pire niveau dans l'État. Dans ce sens, nous avons demandé la justice à toute instance qui concerne eux pour yo prendre responsabilité. Yo, Jean à 3 avril là, prévoit ça dans l'article 5 là, pour mettre sous côté tout le monde qui a pété que non yo ta mélangé dans les actes malhonnêtes pour l'organisation qui est représentée. Sans perdre du temps, retirez yo dans le poste que vous avez et mettez yo à disposition de la justice. Remplacez yo par moun ki crédible, honnête, que pays a qu'à faire confiance. Seigneur, nous demandons pour Emmanuel Vertilaire, Louis Gérard Gilles et Smith Augustin mettez corps sous côté dans la décision que KPTA a prend pour pays a. Parce que yo pa gen odeur sainteté dans n'importe haïtien et même devant communauté internationale là. Surtout après gros travail ça que USC s'est fin réaliser dans quatre dossiers ça. Côté li rend un rapport qui mélange trois métiers ça yo juste dans coup dans quatre dossiers 100 millions. Good, yo t'a mandé ancien DG Raoul pour ta kembel dans poste ça. N'a profité féliciter paquet Port-au-Prince sans perdre du temps qui t'a acheminé dossier à côté doyen et qui fait choix de un juge instruction pour mener dossier ça. N'a rappelé tout le monde en général, la corruption pas un bagage qui nouveau. Corruption, c'est un bagage qui est toujours présent en dans institution yo et même au niveau plus haut dans l'État. En 1990, Brits, qui c'est bureau recherche dans affaires informatiques, dans le développement économique et social, ILCC, unité de lutte contre la corruption, IBM, qui c'est institution banque mondiale, qui c'est l'Institut Banque Mondiale, déclaré que les affaires de corruption, c'est un bagage qui est très grave. Selon Transparency International, de 2002 à 2011, Haïti passait de 88e à 175e place dans le niveau mondial dans les affaires de corruption. Ça veut dire, dans le moment où on a parlé, Haïti fait partie de 10 pays dans le monde qui sont corrompus. Pour devin, trafic influence, favoritisme, dilapidation fonds publics, c'est quelque parmi les types de corruption qui sont fréquents en Haïti. C'est pour ça, dans quatre dossiers, on a demandé juge d'instruction, Benjamin Félix Mé, pour mener bonne enquête. Pour traiter dossier ça, rendre ordonnance li dans délai la loi mandé. Pendant l'a servi avec la loi comme boussole li pour faire travail li sans force côté. Si tout loi contre corruption 7 mai 2014 là, dans article 3 qui définit clair ou clairose la corruption dans toute dimension. Mande tires KEPA ni gouvernement Garikoni pour prendre responsabilité yo mettre sécurité dans pays a pour tout monde si qu'il est libre et libre dans jan maman loi pays a mandé ça merci c'est qu'il doit assumer qui fait choix lui déjà OK mais c'est pendant conférence qu'a fait là il va résumer avec et question représentant secteur droits humains dans CPTA. Nous là en tant que défenseur droits moun pour défendre la loi. Côté que il y a trois conseillers qui épinglent jusqu'au cou dans cadre d'un dossier 100 millions de gourdes avec DG Raoul, ancien DG Raoul. Donc nous mandé pour la justice faire travailler Jean Samandi parce que sa corruption c'est lui même cap. Moi, j'ai fait hier, c'est lui-même qui mettait nous dans l'état qui nous est là, je viens de dire. Mais il y a une information qui fait quoi, c'est bien le monde qui mettait nous. Il y a déjà dit, je vais avoir pris devant, il y a eu l'article 55
l'opinion. Comment nous comptons ça? Bon, et jusqu'à maintenant, nous-mêmes, nous là pour nous dénoncer et demander de faire respecter ça que la loi dit. C'est choix. Yo ka toujours pas venir même connaît que la loi trace une procédure pour que la procédure fasse chemin li, pour que la justice fasse chemin li, et appliquer la loi dans sa amende dans la législation haïtienne. Que de plus, le principe nul n'est au-dessus de la loi. C'est un principe ça commenté. Merci. Eh bien, amis, famille, nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Donc, si vous à peine tombé sur channel ça, pas oublier, abonner. Pèsez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Pour qu'avine faire partie de famille à nous. La Kaya, et nous saluons tous les amis nous, et qui un peu partout. Donc, nous saluons tous les amis West Palm Beach, tous les amis dans Pompano et Beach. Et Fort Lauderdale, Tampa, et États-Unis, nos paquets États que à nous la caille chargée fanatique, nous saluer les amis qui dans Canada, John C, nous saluer. Et puis tout le monde Haïti, donc à pas oublier que à nous la caille, mais nous en pile, nous rejoignons dans la prochaine vidéo qui apparaît sur écran que nous invitons à cliquer connaître.